Voilà, bonsoir à tous, nouvelle journée, nouveau petit challenge avant le gros challenge qui est donc de remporter 6 mois au sein de l'entreprise Canal 2 en tant que stagiaire professionnel. Nous n'y sommes pas encore, on est sur le chemin, sur la route. Nous sommes en plein coaching et nous avons aujourd'hui 9 candidats parce qu'il y a un des candidats qui a désisté et on espère que ça donnera plus de chance à l'un de vous puisque désormais c'est une chance sur 9 et non sur 10. Voilà, bonsoir à tous et bienvenue. L'émission, c'est le concours du jeune présentateur télé et c'est télévisé. Oui, on filme carrément toute la démarche jusqu'au gagnant. Vous aurez l'occasion de voter, oui, bientôt. Et vous ne serez pas seul puisque le jury notera également l'évolution de nos candidats. Bien. Alors, hier, vous aviez un devoir, un exercice en animation. On va un peu détendre l'atmosphère, je pense. On va regarder puisque vous êtes déjà passé. Et j'aimerais que chacun donne, pas tout le monde, mais que quelques personnes donnent leur avis une fois qu'un des candidats passe. Et là, c'est bien parce qu'on va voir à l'antenne, donc on voit le rendu tous ensemble. Alors, on y va avec la première personne, Collins. Salut, salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine a été et que le week-end s'annonce bien également. En tout cas, nous vous souhaitons le meilleur. Aujourd'hui, c'est samedi. Quant à nous, nous, tout est beau fixe. Nous sommes parés pour vous servir une énergie, une débauche d'énergie sur le programme le plus curieux du week-end. Je dis bien curieux, vous saurez pourquoi. Je dis curieux du week-end. Le programme, c'est une toute première sortie et ça s'appelle Family Show. Family Show, c'est un concentré de père, de mère, de fils à papa, fille à maman, de tonton, de tantine, mais de vous et nous également, parce que on rappelle que c'est une émission dans laquelle vous avez la possibilité d'appeler, c'est une émission interactive, vous avez la possibilité d'appeler et de donner vos avis sur les questions qui vous seront posées et les numéros seront bel et bien affichés sur le bas de votre écran. On rappelle que c'est une toute première sortie et pour cela, on a le devoir de vous faire une présentation générale de cette émission qui vous invite tous à participer et à s'éduquer. Je rappelle que sur Family Show, on fait 3 choses. On s'amuse, on s'éduque et on s'informe. Voilà, je reviens sur ce plateau pour vous présenter ma brigade d'animation. À ma gauche, j'ai la ravissante Patricia Kei. Voilà, celle qui brille par son naturel. Si vous l'avez dans une maison, vous n'avez pas besoin de lumière. Vous la posez juste dans le salon comme ça et elle brille. Voilà, Patricia. Bonsoir, Pat. Juste à côté, vous avez le rigolo. Voilà, je l'appelle l'ange de la bonne humeur. On ne sait pas quand il est fâché, on ne sait pas. Quand tu souris, il sourit. Quand tu te fâches, il sourit. On se demande même s'il gronde ses enfants à la maison. Il s'appelle Joe Matrix. Bonsoir, Joe. Voilà, juste à ma droite, nous avons une dame maître cuisinier. Elle est diplômée en restauration et en hôtellerie. Voilà, elle intervient dans le cadre de cette émission dans une rubrique plus particulière qui s'appelle le menu du jour. Voilà, c'est maman Jackie Kandem. Bonsoir, maman Ja. On va appeler comme au quartier Maja. Voilà, je rappelle que vous venez dans le cadre de cette émission. Vous venez dans le cadre de du menu du jour, pour nous parler du menu du jour, comment se prépare telle ou telle mère, voilà, pour éduquer nos très chers téléspectateurs, parce qu'on a précisé, à Family Show, on s'informe, on s'éduque et on s'amuse. Et là, vous êtes prêtes pour nous donner le menu du jour, et à vous, chers téléspectateurs, vous nous direz comment se prépare tel menu
qui sera donné par Maja sur ce plateau. Voilà, tenez-vous prêts, attachez vos ceintures, très chers téléspectateurs. On va commencer avec la toute première articulation de cette émission. Je rappelle, c'est la question du jour. La question du jour, tenez-vous prêts, la voici. Alors, une femme doit-elle avoir pour camarade intime l'ex de son mari? La question, je la réitère. Une femme doit-elle avoir pour camarade intime l'ex de son mari? Les numéros sont au bas de l'écran. Vous appelez ou vous envoyez des SMS via WhatsApp et vous donnez vos avis. Quant à nous, on reste sur ce plateau et on débat sur la question. Voilà, séquence. La question du jour, c'est lancé pour Pat, Joe, Maja. Voilà, la question revient à nous ici, le temps que nous traitons chez les spectateurs nous rejoignent avec des SMS ou des appels. Alors, qu'en pensez-vous? Je vais commencer par la ravissante Pat. Alors, Pat, dis-nous, est-ce que tu penses-tu qu'une femme doit avoir pour camarade l'ex-femme de son mari? Voilà, mesdames, messieurs, nous allons passer à la toute deuxième rubrique, la rubrique menu du jour. C'est avec Maja. Alors Maja, tu vas nous donner le menu du jour et tu vas nous dire, tu vas balancer le menu à l'écran et on va, le nom du menu à l'écran et nos très chers spectateurs vont devoir appeler pour nous dire comment se prépare le menu. Voilà l'enjeu et voilà le jeu en même temps. Vous appelez ou bien vous donnez vos SMS pour nous dire comment se prépare le menu que nous donnera Maja. Alors, Maja qui, le menu du jour, c'est quoi? Voilà la sauce jaune. Comment se prépare la sauce jaune? Très chers téléspectateurs, on attend vos réactions. On rappelle qu'à l'issue de la question, c'est la question trouvée. Voilà, Maja, c'est toi qui sais ce qu'il y a comme récompense. De toutes les manières, nos très chers spectateurs vont devoir profiter en termes d'éducation. La jeune fille, c'est samedi aujourd'hui. C'est un bénéfice pour vous parce que nous savons que c'est samedi que la jeune fille rentre à la cuisine. Voilà, madame, monsieur, nous passons à présent à une autre rubrique, l'événement de la semaine. C'est avec la ravissante Pat. Alors Pat, qu'est-ce qu'il y a au menu de la semaine? Qu'est-ce qui a meublé cette semaine aujourd'hui en termes d'événements, l'information la plus marquante de la semaine? Vous avez certainement fouiné dans les artères de la ville de Douala et même à l'extérieur, certainement vous avez ramené quelque chose. Alors c'est quoi l'événement de la semaine? Voilà, passons à présent avec le rigolo Diomatrix pour la rubrique Star News. Quoi de neuf dans l'actualité artistique, Joe? Et c'est ici que s'achève votre émission Family Show. Mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres pour cette toute première sortie. On rappelle bien, c'est tous les samedis à partir de 11h, de 11h à 13h. Soyez au rendez-vous et merci à vous qui avez participé, merci à celui ou celle qui a participé, merci pour vos avis, merci à vous sur ce plateau, Patricia, Joe, Maman Jackie, merci et merci pour toutes vos interventions, merci pour la contribution, l'éducation, ce que cela apporte. On espère que ça vous a apporté quelque chose. D'ici là, portez-vous bien et à samedi prochain. Au revoir. Bonsoir à tous et bienvenue à Quiz Party, votre jeu de questions-réponses sur Canal 2 International. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Eden et Loïc pour l'équipe des Bleus. Et pour l'équipe des Rouges, nous avons Shadrach et Samira. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Merci. Comment vous allez? Vous allez bien? Pas trop stressé, j'espère. Alors, équipe des Rouges, avant de commencer avec les questions, quel est le message que vous envoyez à l'équipe des Bleus? D'accord, ok. Alors, et l'équipe des Bleus, quel est le message que vous envoyez à l'équipe des Rouges? Vous allez les battre. Alors, chers téléspectateurs, le principe du jeu, il est très simple. Chaque équipe a
Le principe du jeu est simple. Chaque équipe dispose de 20 secondes pour répondre à une question. Et la première équipe qui atteindra 20 secondes remporte la victoire et rentre avec 5 millions de francs CFA. Alors, c'est parti. Vous êtes prêts? Top question. Quelle est environ la superficie du Cameroun? Oui, les bleus. Bonne réponse pour les bleus, 475 442 km². Nous avons les bleus qui ont un point de plus par rapport aux rouges. Maintenant, les rouges, top question. Quel est le plus long fleuve du... Oui ? Mauvaise réponse, vous m'avez pas permis de vous donner les propositions. Je reprends la question. Quel est le plus long fleuve du Cameroun? Le Vouri, la Benoué, la Sanaga ou la... Oui, les bleus. La Sanaga, très bonne réponse pour les bleus. Les bleus remportent 2 points par rapport aux rouges. Top question, quand a eu lieu la dévaluation du franc CFA? 11 janvier 1994, 1er janvier 1990, 1er octobre 1961 ou 1er mars 2000. Oui, les rouges. Mauvaise réponse, ce n'est pas le 1er janvier 1994, mais c'est le 1er octobre 1961. Les rouges perdent en points. Alors, rappel des scores, s'il vous plaît. 19 points pour les bleus et 19 points pour les rouges. Les rouges, les bleus, vous êtes à présent à égalité et voici la question qui va vous départager. Combien de provinces compte le Cameroun? Oui, les bleus. Mauvaise réponse. Non, ce n'est pas 192 provinces. Les rouges. 10 provinces, les rouges remportent cette victoire. Bonne réponse pour les rouges. Et c'est l'équipe des rouges qui remporte la victoire. Ils rentrent avec 5 millions de francs CFA. Bravo à vous les rouges. Bravo aussi à vous les bleus. Vous n'avez pas démérité. Alors j'appelle tous ceux qui étaient avec moi ici sur le plateau. On va dire au revoir ensemble. Allez, venez, venez avec moi. On dit au revoir ensemble. Chers téléspectateurs, merci à vous qui nous avez suivis pour ce programme. Merci à vous, chers candidats. Merci à vous, public. On se retrouve la semaine prochaine à 18h pour un nouvel épisode de Quiz Party. Au revoir. Le vendredi soir, généralement, si l'entrée en week-end, et qui dit entrée en week-end, on pense comme ça au voyage, on pense à la musique, à la danse, ou encore les sorties entre amis, entre camarades ou entre petits copains. Allez, on se retrouve aujourd'hui après les rendez-vous de lundi et du mercredi. Et c'est une magnifique surprise qu'on vous réserve aujourd'hui encore sur le plateau du soir à la télé. On reçoit 2 invités, un homme et une femme. Il est certainement encore sans doute l'artiste camerounais le plus en vue actuellement sur la scène musicale, c'est Matt Nova, avec son titre qui fait la une des réseaux sociaux en boucle sur les réseaux comme TikTok, Facebook. Vous avez reconnu ici On fait comment de Matt Nova et l'artiste sera avec nous sur ce plateau du soir à la télé. Et à ses côtés, on reçoit une professionnelle de la voix. Elle est comédienne voix off, vous la connaissez certainement. C'est Lisette Emmanuel. On est tombé sur elle accidentellement sur les réseaux sociaux. Et elle partage avec nous son quotidien et ce métier-là qui, parfois, n'est pas très connu et pourtant est dans notre quotidien tout le temps. C'est bien évidemment les métiers
Duche-Lavoie. Elle sera également avec nous sur le plateau du soir à la télé. Je serai en compagnie Duche-Lucie qui va vous offrir la traditionnelle chronique culturelle et Joe Matrice va nous retrouver pour les rendez-vous du week-end avec ces challenges vacances qui sont actuellement dans la région du littoral et bien évidemment plus précisément ce dimanche. Il est 22h36, les amis, vous êtes sur Canal 2 International, c'est le soir à la télé qui commence maintenant. Allez, de retour dans ce studio, encore bienvenue à tous et on va également inviter notre charmant public qui est en masse ce soir d'applaudir. Merci à ce public-là qui nous accompagne aujourd'hui. Super. Voilà. On l'a annoncé en titre, elle sera avec nous sur ce plateau du soir à la télé. Lisette Emmanuel vous partage son expérience dans ce domaine de la voix, qu'on dit généralement les comédiens et les comédiennes voix off. Et également l'artiste qui vous fait danser tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends, Bad Nova avec sa toute nouvelle sortie. On fait comment? Mais avant, on va dire bonjour, bonsoir à Lucie qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Lucie. Super, on espère que tu vas bien. J'adore ton costume. Voilà. Alors Lucie, comme annoncé, comme toujours, on va assister à la traditionnelle chronique culturelle du soir. Et aujourd'hui, tu nous parles de la musique. Et bien évidemment, après avoir vu le titre très accrocheur, la musique camerounaise est devenue encore en train de devenir pour les plaisantards. J'ai certainement, on ne sait pas si c'est plaisantard ou si c'est plaisantant, mais en tout cas, Lucie va nous dire dans la chronique culturelle de ce soir. On l'écoute très attentivement. Allez, Lucie, à toi de jouer. Et voilà, il est avec nous sur ce plateau, quelqu'un aimait bien le dire, tout de suite, quand tu es en colère, il sourit, quand tu souris, il est souriant. Et c'est Joe Matrice qui nous rejoint sur le plateau du soir à la télé pour partager les rendez-vous de la semaine, les rendez-vous du week-end. Et c'est dans le cadre de ce qu'on offre aux jeunes. Et il nous conduit dans les coulisses du Challenge Vacances après Garandéry, après Idéa, après il y a 100 000. Nous sommes actuellement à Douala, plus précisément à Bouda Boussali, à la salle Arena ce week-end. Et pour plus de précision, on va laisser le son à Joe Matrice. Joe Matrice, bonsoir. Bonsoir. Allez, merci de nous faire honneur de ta magnifique présence sur le plateau du soir à la télé. Chalich, on t'écoute pour partager avec les jeunes les rendez-vous cultes de ce week-end. Et bien évidemment, notre magnifique public ce soir attend l'entrée de la plus belle ou encore l'une des plus belles voix dans la sous-région d'Afrique centrale et de l'artiste qui fait danser tout le monde actuellement, Bad Nova. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Canal 2 International, on va recevoir nos invités juste après ceci. Voilà, c'est Bad Nova qui nous rejoint dans ce studio. On applaudit pour Bad Nova, les amis. Il nous fait danser depuis une semaine déjà à travers cette sonorité musicale. On fait comment, Bad? Je vais me permettre de t'appeler comme ça, Bad. Allez, on dit quoi? Voilà, super. Et il y a cette question qui me taraude l'esprit. Quel a été le succès de cette musique qui ne fait que danser tout le monde depuis sa sortie? Et voilà, à côté de Bat, une ravissante demoiselle. Bat, je vais te demander de dire un peu bonsoir à la demoiselle à côté de toi. Dis-lui bonsoir un peu. Voilà. Certainement, tu as compris pourquoi je te demande de lui dire bonsoir. Qu'est-ce que tu remarques? Elle a une très belle voix. Voilà. C'est ce que je recherche. Elle, c'est Lisette Emmanuel, l'une des meilleures voix off dans la sous-région Afrique centrale. Elle nous fait honneur de sa présence ce soir. Lisette, bonsoir.
Moi, je peux me permettre de te dire bonsoir comme ça, une, deux, trois, même mille fois. Et pour que tu me répondes juste, hein, je me fais, on se régale juste à t'écouter. Alors, Lisette, beaucoup de personnes entendent parler de la voix off, de comédienne voix off. Déjà, c'est quoi être une voix off? Et voilà, après cet échange avec nos invités, on va vous permettre de découvrir encore en exclusivité ce que fait généralement Lisette Emmanuel. On vous partage ce soir cette petite transition et on se retrouve juste derrière. Et voilà, les amis, maintenant, voir, chers téléspectateurs, c'est l'instant d'entrée dans le jardin de nos invités ce soir et c'est le travail de Lucie d'aller fouiller dans le jardin intime, dans le jardin professionnel de notre amie Bat, de notre amie Lisette. Il est un peu plus de 23 heures. J'espère que les enfants sont déjà endormis parce que en fouillant dans le jardin intime, il y a des choses qui ne vont pas peut-être correspondre au moins de 15 ans. Bon, c'est juste pour vous effrayer, chers amis. On va laisser le soin à Lucie de s'entretenir une dernière fois, une fois de plus, avec nos invités, Bat et après, Lisette et Emmanuel. Voilà. Merci à tous nos millions de téléspectateurs. Vous nous écoutez depuis Douala, depuis Yaoundé, depuis Ngaoundéré de l'autre côté où on salue nos amis qui sont de ce côté-là. On salue également ceux qui nous écoutent depuis Bafoussam. Alors, c'est presque la fin de cette émission. On va dire merci à Bat qui était là. Merci Bat. Allez, c'est déjà le week-end. On fait quoi? Ou encore, on fait comment? Comme le titre de la célèbre chanson, on fait comment? Il ne faut pas dire ça. Il y a une maman qui fait du magnifique, un bon poisson braisé juste en bas de la télé. Là. Après, on peut descendre. Je vois les lèvres de Lisette qui sont toutes sèches. On peut aller mouiller juste après le programme. Alors, et on va également dire merci à Lisette qui était là. Et on a passé de très beaux moments ensemble. Et les amis, merci à vous d'avoir suivi. Et on ne va pas oublier de dire également merci à Lucie qui est toujours là avec des magnifiques chroniques culturelles. Merci à Joe qui était également là ce soir pour partager les rendez-vous cultes de ce week-end. Et on se retrouve donc lundi lorsqu'il sera 22h30 sur Canal 2 International. Les amis, passez un très bon week-end. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je veux dire bonsoir, chers spectateurs, vous qui êtes ici en présentiel et vous également, chers téléspectateurs, qui êtes en train de regarder cette émission en direct sur Canal 2 International. C'est toujours un plaisir de vous avoir autant sur cette chaîne. Votre fidélité nous fait chaud au cœur. Vous le savez, j'aime bien rappeler le titre de cette émission et surtout même l'objectif de cette émission. Vous êtes sur Music Star et dans cette émission, en dehors de vous divulguer de la bonne humeur, nous aimons également vous vanter la musique camerounaise. Et dans nos deux rubriques, dans cette émission, vous allez découvrir cela plus amplement. Avec la première rubrique qui consiste à inviter dans le public, parmi le public, deux personnes qui s'affrontent dans un duel, musicalement parlant bien sûr. Ils s'affrontent dans un duel et la personne qui a le plus de notes venant du jury ici à ma gauche, ainsi qu'une belle prestation, pourra obtenir un lot à la fin du concours. Qui sera donc l'élu ou qui sera le gagnant? N'oubliez surtout pas également notre deuxième rubrique, qui est d'ailleurs la plus importante. Dans cette rubrique, nous invitons un artiste invité qui vient, justement, puisqu'on parle de musique, c'est un artiste qui vient sur ce plateau afin qu'on puisse échanger. Il nous parle de la vie musicale ainsi que des défis. En fait, on apprend mieux sur lui. Donc, on va découvrir cet artiste dans cette émission. Mais qui sera-t-il? La dernière fois, vous avez proposé un artiste que vous avez aimé. Mais aujourd'hui, de qui s'agit-il? Je vous invite à rester scotché sur cette émission afin de découvrir de quel artiste il s'agit. Mais tout d'abord, nous allons prendre une petite transition afin de revenir dans cette émission pour parler plus amplement. Nous sommes de retour, chers spectateurs et téléspectateurs. On vous l'avait dit, dans cette rubrique, nous invitons
deux candidats tirés dans le public au hasard qui décident de venir ici sur ce plateau ou bien sur ce podium pour pouvoir faire une prestation musicale et surtout une prestation camerounaise. On vous l'avait dit, on a inventé la musique camerounaise. Mais est-ce qu'il y a donc des candidats qui voudraient bien venir ici pour prester? Oui. Ah, vous là-bas, venez. Vous venez, monsieur. Ah, vous êtes sapé là. Alors, venez vous placer là. Et est-ce qu'il y a un deuxième candidat qui souhaiterait s'affronter avec ce monsieur? Ah, c'est une petite fille. Allez, viens, viens s'il te plaît. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Viens par là s'il te plaît. Tu as quel âge? 9 ans. Et tu veux affronter ce monsieur? D'accord. J'espère que cette compétition aussi... Ok, on va voir plusieurs choses. Hein. D'accord, tu as 9 ans et tu veux interpréter quelle musique? Ok. L'idole. Et vous, monsieur? Sissoul, vous aimez Sissoul. Vous êtes un fan de Sissoul, pas de problème. Alors, on va juste leur laisser le temps de pouvoir commencer la compétition. Et ainsi, on va commencer les hostilités. Que la guerre commence, on va le dire comme ça. S'il vous plaît, j'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour ces deux personnes. Ils ont un talent inexplicable. C'est pas possible. Je ne pouvais pas imaginer que cette petite fille soit aussi pertinente avec sa voix. Waouh. Alors, on vous l'a dit, si moi j'avais la possibilité de pouvoir choisir entre vous deux, j'aurais choisi vous deux parce que vous avez une voix extraordinaire. Mais malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi, c'est le jury ici à côté qui va choisir qui entre vous deux a fait la plus belle prestation. Et donc, on va juste passer aux notes et aux votes. D'après les jurys, combien est-ce que Marie, la petite fille de 9 ans, a eu? 18. Et monsieur Jean-Marie, combien est-ce que vous avez eu? D'après le jury. Ah, malheureusement, on va faire un tonnerre d'applaudissements pour Marie. Oh là là! Viens dans mes bras, s'il te plaît. Oh, qu'est-ce que tu es mignonne. On vous l'avait dit, ce n'est pas la taille qui compte lorsqu'on fait une compétition. On a eu la preuve. Hein. Monsieur, vous ne l'avez pas démérité. Certainement, vous avez voulu donner cette place à cette petite fille, mais voilà, la compétition nous l'a prouvé. Elle était aussi très pertinente. Alors, on va juste laisser cette rubrique-là. Et maintenant, on va passer à la deuxième rubrique, qui est d'ailleurs la rubrique la plus importante. On revient juste après la transition. Nous sommes de retour, chers spectateurs et téléspectateurs. On veut le rappeler également, merci encore pour votre fidélité. On vous l'a dit, dans cette émission, nous invitons des artistes, des célébrités dans le domaine musical qui ont une influence. Et aujourd'hui, on a décidé d'inviter un rappeur. Il est d'ailleurs l'un des meilleurs rappeurs, pour ne pas dire le meilleur rappeur au Cameroun. Il est connu plus sous son titre de... Si je fais ça, vous connaissez de qui il s'agit? S'il vous plaît, je m'entends. De qui il s'agit quand je fais ça? C'est le ténor, oh là là, c'est ténor, il s'agit de l'artiste ténor. S'il vous plaît, veuillez accueillir ténor avec un tonnerre d'applaudissements. Ténor, ténor est avec nous ici en chair et en os. Ténor, veuillez prendre place s'il te plaît. Alors, tu es sapé ténor, je ne sais pas, tu as cette prestance là, cette élégance. Alors, on est très content déjà de t'avoir sur ce plateau. Et surtout que tu es un artiste. Et en tant qu'artiste, c'est vraiment pas facile, c'est pas évident. Les concerts sur concert, et surtout que tu viens, il y a de cela 4 jours, tu étais en featuring avec un artiste. Tu as sorti un hit de ouf qui est déjà disponible sur toutes les plateformes. Et on remarque que tu as décidé de venir sur ce plateau afin de partager ce petit échange avec nous. Ce n'est pas évident et c'est louable ce que tu as fait. Donc, merci beaucoup. On a quelques questions à te poser. Hein. Déjà, on veut prendre connaissance avec toi. Tu es un rappeur vraiment qui a de l'influence sur le territoire national. Beaucoup de personnes sont fans de toi. Alors, on a quelques questions à te poser, si ça ne te dérange pas. La première question, essaie de savoir, comment est-ce qu'on peut te présenter le mieux? Est-ce que tu es une personne émotive? Est-ce que tu es une personne sensible? Comment est-ce qu'on présente tes Ténor en dehors de cette vie musicale? On ne pouvait pas imaginer ça de toi. Hein. Alors, voici la deuxième question qu'on aimerait également te poser, hein, s'il te plaît. D'où est-ce que ton inspiration te vient? Parce que déjà, tu as commencé très tôt, hein, tu as commencé très tôt étant petit, mais tu gardes toujours cette lucidité musicale-là dans tous tes hits.
Non, d'où est-ce que ton est-ce que tu t'inspires de quelqu'un afin de pouvoir produire ce que tu produis? Ah, pardon, merci beaucoup. Alors, on a une troisième question pour toi, et tiens-toi bien, on a une troisième question pour toi, c'est la dernière surtout. Hein. Alors, quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes qui souhaitent se lancer dans la vie musicale? Quelles sont les réalités même du monde musical? Parce qu'on remarque que tu es un artiste qui... tu es un artiste qui... Qu'est-ce que je veux même dire? Désolé, je reprends ma question, je la réitère. Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes qui souhaitent se lancer dans la musique? Parce que malgré toutes les années, tu as toujours été le premier, tu es toujours le premier. Lorsqu'on parle des meilleurs rappeurs au Cameroun, tu es toujours cité parmi. Alors, qu'est-ce qui te donne autant de lucidité dans ta musique? Quel conseil est-ce que tu peux donner à tous ces jeunes? Excellent conseil. Donc, on a un conseil qu'on vous donne, vous les jeunes, ne surtout pas être envieux. C'est Ténor qui le dit. Il ne faut surtout pas être envieux. Et surtout, il faut travailler en attendant son jour, le jour que Dieu va bénir. Alors, c'était tout pour cette rubrique. On va demander à Ténor de nous faire un petit a cappella. C'est une petite demande, s'il te plaît, Ténor. Est-ce que tu peux nous faire ça? Juste un petit a cappella. Mince, qu'est-ce qu'il est rapide. Attends, Ténor, j'ai une question pour toi. J'ai une question. Est-ce que tu respires en chantant? Tu fais comment pour avoir autant de souffle? C'est pas possible. On comprend pourquoi tu es l'un des meilleurs ici au Cameroun. Donc, continue dans cette lancée, Ténor. Merci surtout encore d'avoir accepté notre invitation. C'était un honneur pour moi de partager cette interview avec toi. Et on va juste conclure avec un applaudissement venant des spectateurs, s'il vous plaît. Ah, Ténor, on a une petite question également. On veut rappeler à tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers votre télévision, vous avez la possibilité de pouvoir gagner 50 000 francs CFA juste en répondant à une question. La question est sous le bas de votre écran. Il s'agit de savoir quel est le dernier titre de l'artiste Ténor. Vous pouvez envoyer votre réponse par SMS au numéro qui s'affiche sous le bas de votre écran. Il s'agit du 691 35 19 77. Vous pouvez nous envoyer vos SMS et nous allons tirer au sort le lu ou bien l'heureux gagnant. Nous revenons juste après la petite transition. Alors, qui est l'heureux gagnant de ce tirage au sort? D'après les listes qui nous ont été données, l'élu ou le regagnant est Antoine Bell. Antoine Bell va gagner une somme de 50 000 francs CFA. Félicitations Antoine Bell. Félicitations. Vous avez gagné la somme de 50 000. Qu'est-ce qu'on peut même faire avec 50 000? On peut lancer dans un business, n'est-ce pas? Hein? On peut faire beaucoup de choses avec 50 000. Donc on veut vous dire félicitations, monsieur Antoine Bell. C'était tout pour cette émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions pour tous ceux qui ont été présents de loin ou bien même en présentiel. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Surtout, big up, portez-vous bien surtout et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure surtout. Je me ferai un plaisir, moi, Franck Daniel, de présenter cette émission. Thinking about you, baby.